des approches par rapport aux consultations, si vous voulez dire, ce sont des approches. Le tout premier qui avait parlé du dialogue, d'un plan de sortie, d'échanger, c'est le président Martin Fayoulou. Mais ça dépend maintenant de quel mécanisme. Mais justement, aujourd'hui, c'est pas le même. Oui, les approches ne sont pas les mêmes, mais c'est le mécanisme, en fait, c'est la forme à donner. Fondamentalement, nous sommes tous pour le dialogue entre Congolais en vue de résoudre la crise actuelle. Lorsque nous le disions avant, je crois que le président Félix ne l'intériorisait pas. Maintenant qu'il a vécu dans sa propre chair, il a reconnu. C'est déjà une victoire pour nous, du côté Lamouka, y compris le président. C'est une victoire pour le MLC et l'ensemble de la République, et donc pour SID. C'est la victoire pour Lamouka, SID, Nouvel Élan et tout le monde. Je vous dis que c'est le président Fayoulou qui, en premier, avait lancé cet appel-là. Mais Fayoulou qui est absent aujourd'hui, il n'est pas prêt à... Non, mais c'est ça, ce n'est pas le dialogue. Ici, nous sommes dans une simple consultation. Ce n'est pas le dialogue. Dans la consultation, vous m'avez entendu dire, pour le moment d'ailleurs, c'était à nous de consulter le président de la République pour lui dire le problème c'est quoi. Parce qu'on était ensemble à un moment donné, vous êtes partis. Et maintenant, qu'est-ce qui bloque? Alors lui, il appelle pour avoir le point de vue. Mais du côté président Fayoulou, il pense que ce n'est pas de cette façon. Il faut peut-être un dialogue fondamental, parler des questions de fond. Parce que la question aujourd'hui n'est pas à l'éluder, à essayer de nous amener ailleurs. C'est une question politique fondamentale. Et si on doit régler des questions politiques, il y a des questions sécuritaires. Il ne nous a pas appelé pour parler des questions sécuritaires à Beni ou à Minembwe ou à Nituri. Il a appelé pour lui parce que lui, il ne sait plus avancer. Alors, comme il ne sait plus avancer, c'était à nous de les consulter pour qu'ils nous disent comment. Mais maintenant, il nous appelle, nous répondons officiellement. Mais il y a d'autres collègues qui pensent qu'il faut changer les mécanismes. Mais dans le fond, nous visons tous la même chose, à nous asseoir et parler correctement pour avoir une voie de sortie. La politique du MLC.